Tout ceci est vraiment étrange. Je ne comprends pas vraiment ce qui est en train de se passer, mais j'ai envie de savoir. Ces mystères, ça ne me va pas. Le mot laissé sur ma porte est encore plus bizarre. Nous savons où vous habitez, Monsieur Jones. Signé, les Templiers de Blackville. Le plus étrange, c'est que Blackville, c'est un village de mon enfance, que je connais ou que je connaissais assez bien. Je décide de m'y rendre ce soir, une fois la nuit tombée. Sur la route, ces questions n'arrêtent pas de faire écho dans mon esprit. Pourquoi cette boîte? Pourquoi voulait-on que je la trouve? Pourquoi me demanderait-on 150 000 dollars? Pourquoi des dollars? Au bout d'un moment, j'arrive enfin à Blackville. Blackville. Que de souvenirs d'enfance ici, et pourtant ils sont flous. Je me demande pourquoi je suis venu. En plus, la nuit, je ne vois rien. Mais c'est parce qu'il n'y a rien à voir ici. Je décide d'essayer de voir un peu plus loin, marcher, observer, peut-être avoir quelques indices sur ces Templiers de Blackville. Alors que je commence à explorer, quelqu'un m'attrape au visage et je m'effondre. Putain, encore une fois.